Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo parce qu'elle sera certainement assez courte pour vous montrer un sorte de passage pour avoir un sorte de super pouvoir. Alors apparemment je pense qu'il y a eu une petite mise à jour et du coup la technique pour sortir de ce passage avec la technique de la téléportation dans la maison ne fonctionne plus. Dites-moi, c'est peut-être moi hein, qui fais peut-être les choses mal, mais je vais quand même vous montrer parce qu'il y a un autre moyen de sortir de ce passage, ce fameux passage. En tout cas, pour vous montrer qu'on ne peut pas se téléporter de l'intérieur, on va aller dans la maison 17, c'est celle qui est le plus proche de l'hôpital. Voilà. Je vais quand même la prendre comme ça, vous allez voir qu'on ne peut plus utiliser la technique du téléport. Donc on va prendre une maison au hasard, bon celle-là, comme ça elle chargera plus vite. Et on va aller à l'hôpital. Comme vous pouvez le constater, je suis en skin de policière en uniforme. Et bien c'est juste parce que la prochaine vidéo, donc la vidéo de demain, et bien c'est un RP sur Brookhaven. J'adore dire l'accent. Et donc pour les besoins du RP, je suis policière dans la vidéo de demain. Voilà, petit spoil pour ceux qui seront venus voir cette petite vidéo. Voilà, deuxième étape, on va à l'hôpital et du côté droit de l'hôpital, il y a le X-ray, le scanner quoi, juste là. Et maintenant, il va falloir sauter au-dessus de cette porte, rentrer dans ce couloir, venir jusque là. Là, il y a une petite fiche. Bon, c'est pas hyper intéressant ce qu'il y a marqué dessus. Et il va falloir baisser la caméra jusqu'à que vous voyez cette sorte de... Moi au début je pensais que c'était une croix, mais je ne pense pas que ce soit une croix. Vous appuyez dessus et là, waouh, on s'est fait téléporter dans cette pièce juste là. On peut faire des trucs bizarres, on peut voler. Là il y a une sorte de... De petits messages. J'ai remarqué que des fois ce message il changeait et il indiquait comme des sortes de localisations. Voilà, des degrés sud, est, ouest, je ne sais quoi. Après bon, je ne suis pas une survivaliste, du coup je ne m'y connais pas trop en trucs comme ça, mais ça a l'air en tout cas. Et là en fait la technique de base qui était tout simplement de se téléporter à la maison, bah, comme vous pouvez le constater, bah, rien ne se passe, je ne peux plus me téléporter à la maison, cette technique ne marche donc pas pour moi et je pense peut-être que c'est un patch, une mise à jour, que maintenant personne ne peut se téléporter d'ici jusqu'à la maison et garder son pouvoir. Voilà. Ensuite du coup là vous allez me dire mais comment je fais alors pour rentrer chez moi, je suis bloquée ici. Alors soit vous déconnectez et reconnectez, soit vous ressortez par une autre manière. En fait sous l'un des tabourets il y a un bouton, normalement c'est celui qui est de ce côté là, voilà c'est celui qui est dans le coin. Vous allez ici et vous remarquerez qu'il y a exactement le même bouton bleu en dessous que celui qui est en dessous de la table pour venir ici. Et du coup vous appuyez dessus et bim, ça vous téléporte juste là. Malheureusement cette technique fait que nous n'avons pas nos pouvoirs lorsqu'on revient ici, ce qui est un petit peu dommage parce que bon c'était quand même cool d'aller frimer devant tout le monde avec la main en feu et voilà, dire voilà moi j'ai un super pouvoir et pas toi nananer. Ça va plus être possible, mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir et je pense qu'il y a quelque chose à exploiter ici. Je pense que ça va évoluer par la suite et il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi. J'espère que je vous ai appris un petit truc pour une fois. C'était vraiment quelque chose que beaucoup de gens me demandaient. Ils me disaient, ouais, tu connais le passage secret à l'hôpital? Ouais, tu connais le super pouvoir qu'on peut avoir là-haut, etc., etc. De base, non, mais grâce à vous, du coup, oui. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des petites astuces, des petits trucs cachés dans Brookhaven. Et peut-être que je ferai une vidéo sur plusieurs de ces trucs. Voilà. Moi, je vais quitter le jeu. Et juste avant de vous dire au revoir, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe qui est juste là. Donc, c'est un petit groupe sur Brookhaven. Ouais, je suis aussi sur Beastworm Simulator puisque... Voilà, je voulais avoir les petits trucs gratuits dans le game et j'adore. En tout cas, voilà, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez rejoindre. Et plus tard, j'offrirai des Robux. Apparemment, je peux offrir des Robux aux personnes qui sont abonnées à cette page-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Je rajouterai peut-être des trucs dans la boutique. Voilà, j'ai deux petits trucs. C'est pas fou, je suis en phase de test. Mais voilà, un petit haut petit poids et un petit haut smiley. Je voulais faire toute une collection smiley, mais je ne l'ai pas encore faite. Voilà, bon, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous fais de très gros bisous et j'espère que vous serez là demain à 17h30 pour l'avant-première de la vidéo RP de Brookhaven. Voilà, merci beaucoup à vous et sinon je vous arrête parce que je suis partie de la police moi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, gros bisous à vous et à demain, ciao ciao.